du monde. Le monde a changé par le mal. Alors, je vais vous citer quelqu'un d'intéressant, c'est Kofi Annan qui était à l'ONU, à la tribune de l'ONU le 14 septembre 2001, donc quelques jours après le fameux 11 septembre, et qui disait, je cite, « Les actes de terrorisme ne peuvent jamais se justifier quelques raisons que l'on puisse faire valoir. » On était en 2001. Depuis, le monde a changé en mal, bien sûr. Et pourquoi l'Occident va crever? Parce qu'il va crever, l'Occident. Au lieu de s'attaquer aux commanditaires des terroristes, qui est connu, je vais même vous dire son nom, c'est l'Iran, l'Occident préfère condamner le seul pays au Moyen-Orient qui défend la civilisation occidentale. Bon, c'est normal, hein, il faut ce qu'il faut. Alors ce manque de discernement fera périr à coup sûr l'Occident, qui défend maladroitement sa propre survie, qui même ne la défend plus d'ailleurs. L'Occident qui est devenu trop lâche et trop idéologique, notamment avec le fameux wokisme là, dont on nous rabat les oreilles, qui est un poison très efficace. À force de nier l'évidence face à l'islam conquérant, violent et barbare, l'Occident est en train de sombrer comme un bateau ivre. Ah, c'est clair, c'est le Titanic, quoi. En pire, puisque là, il y a tout le monde qui est dedans. La vente idéologique de l'antiracisme, dans un seul sens, contre le blanc, bien sûr, coupable d'office, a achevé notre société, incapable de discernement et d'avoir du bon sens. On remarquera aujourd'hui qu'il existe des rebelles houthis au Yémen, dont le but actuel est juste de s'emparer du détroit en attaquant tous les bateaux qui passent, notamment les bateaux américains et les bateaux anglais, et qui profitent de cette faiblesse chronique de l'Occident pour mener leurs actions d'attaque généralisées. Et ces gens-là sont financés et fournis en armement par qui? Par l'Iran. Voilà. Tout le monde le sait, mais si on le dit, c'est un peu mieux, on s'en rappellera. Alors ces attaques sont répétées, ciblées, elles ne sont pas anodines, mais elles marquent la volonté de l'Iran de s'emparer des passages où les bateaux, le commerce, circulent. Et après, il aura une puissance un peu plus importante. Et bien entendu, on va nous faire croire, une fois de plus, que tout cela, c'est lié au conflit entre Israël et les Palestiniens. D'ailleurs, les Palestiniens, je ne sais pas qui c'est. On nous a dit qu'il y avait des Palestiniens. On nous a même dit, alors ça c'est le summum, qu'ils étaient réfugiés. Moi je pense que si par exemple une personne qui habite Paris et un jour, je ne sais pas pourquoi, on va l'appeler un réfugié parce qu'il habite Paris, il ne peut pas être réfugié à Paris s'il habite Paris. Ben là-bas c'est possible. Là-bas le gars, il est réfugié chez lui, c'est formidable. Ça choque personne, ça fait des années qu'on dit la même chose, mais c'est pas grave. Alors, évidemment, nous, par contre, en France, nous sommes imbattables pour organiser la repentance, des hommages et des marches commémoratives ou de soutien. Soutien à qui? Aux morts causées par le terrorisme barbare qui, lui, n'a pas d'état d'âme et qu'il commet ici et là. Et même, le terrorisme est commis dans des pays islamiques. Parce que c'est des pays qui ne sont pas trop favorables au terrorisme. Donc, ils en prennent aussi un petit peu chez eux. Alors, cette faiblesse mentale et ce refus de voir la réalité suffisent. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour détruire l'Occident. Alors, un autre point aussi qui m'a fait réagir, on nous a dit « la France est très unie à Israël ». Je dis non, c'est pas vrai, c'est encore un mensonge de plus. Plus rien n'unit la France à Israël. Et la preuve ultime, elle est toute chaude. C'est la cérémonie où les racistes anti-juifs de LFI sont invités par le président Macron. Et en plus, certains revenaient même de Gaza où ils étaient avec le Hamas et l'UNRWA, là, qui est une organisation qui finance le terrorisme. Donc, on est dans un monde de clairement où la folie règne à tous les niveaux. Ben, ça, c'est évident. Et alors, j'aimerais finir en citant quelqu'un d'ancien, c'est-à-dire Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe, qui disait, qui écrivait « Je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable, de plus lâche, de plus borné qu'un terroriste. » À cette époque-là, il ne connaissait pas encore le nom de terrorisme. Donc, voilà, comme d'habitude, on est mal, on est très mal. Je pense que, franchement, il faudrait un miracle
un miracle pour qu'on sauve cet Occident, parce que le vrai problème d'un pays, par exemple, comme la France, c'est que pour remettre les pendules à l'heure et simplement retrouver le mode de vie qu'on avait il y a encore un peu plus de 50 ans, eh ben, je le dis, hein, même si ça choque, il faut une dictature. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le pouvoir et qui impose des règles comme les frontières, plus de migrants, etc., etc., toutes ces règles dont on a absolument besoin d'urgence et qui est que la justice fasse son travail également. Donc ça suppose aujourd'hui, vu l'état des lieux, une dictature. Alors je sais que ça ne plaît pas à ce mot-là, mais c'est ce dont on a besoin pour s'en sortir. Sinon, là, je vais vous dire franchement, c'est une question de temps. Et le temps, n'oubliez pas, passe vite. Donc j'ai vu qu'il y a de plus en plus d'abonnés, ça fait plaisir. Merci à tous et n'hésitez pas évidemment à partager parce qu'on n'est pas nombreux à dire la vérité. Voilà, merci, au revoir.